L'équipe de France de football, elle, affronte ce soir l'Espagne pour le premier des 5 matchs amicaux en vue de l'Euro 2008. Mais les supporters auront du mal à crier « Allez les Bleus !» puisque les Français joueront en rouge. Alain Dorgans, Guy Nevers. C'est la dernière révélation choc de Raymond Domenech qui, en accord avec l'équipementier de l'équipe de France, a choisi le rouge. Habituellement, le 11 de France évolue en bleu avec un maillot de remplacement de couleur blanche. Désormais, le rouge sera la deuxième couleur des vice-champions du monde. On a le droit d'évoluer, de changer. Je trouve que c'est en plus un vrai respect de nos couleurs, puisque c'est bleu, blanc, rouge. Il y a aussi une page en rouge de l'équipe de France. Il est beau, il me plaît, il me va bien en plus, il me va bien autant. Si Raymond Domenech assume placidement ses choix pour ce match amical, ce soir contre l'Espagne, beaucoup d'entraîneurs, dont l'emblématique Michel Hidalgo, se montrent circonspects. Ben, je ne comprends pas très bien pourquoi, surtout que l'Espagne habituellement joue en rouge. Alors c'est, l'Espagne va être obligée de changer de maillot aussi. Nous, le bleu, nous c'est la maison bleue, c'est allez les bleus. L'équipe de France de football a déjà revêtu à 4 reprises par le passé la tunique rouge. Dernière prestation en date, celle de ce match préparatoire au Mondial Mexicain en 1986. Aujourd'hui, à l'heure où se renégocient les droits de sponsoring des bleus, c'est une véritable opération marketing que met en place le sponsor officiel. C'est quelque chose qui marche bien. Le rouge, c'est symbolique de passion, symbolique de fête, symbolique de victoire. Il y a plein de symboliques derrière le rouge. Donc effectivement, on souhaite rapprocher vraiment le public des joueurs de l'équipe de France et on pense que le rouge va y contribuer. Les bleus annoncent donc la couleur. Ce sera le rouge. Rouge paye et passe. L'équipementier espère vendre 30% de maillots supplémentaires. La route pour l'Euro 2008 est pavée de bonnes intentions commerciales.